won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me, what is the soul of a man? Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 11e déjà épisode de mon Let's Play sur le jeu Mad Max. Et donc, je vous avais laissé dans la forteresse de Pink Eye. Nana Pink Eye, il est jaune ici, donc j'avais envie de m'accrocher, mais en fait non, c'est juste une carrosserie. La forteresse de Pink Eye. Nouvelle forto, donc il faudra l'aménager, hein, comme JIT. Donc évidemment, il doit y avoir des plans qui traînent dans toute la région. Je vais juste voir quelle est la mission secondaire qu'elle veut me filer. Et ensuite, on ira faire un petit camp. Comme j'avais dit la dernière fois, ça risque d'être un épisode de transition. Quelle est la mission que tu veux me filer ? Le temps est venu pour nous uprooter. Il n'y a pas de façon de nous tenir à Gastown. Je vais envoyer mes jeunes ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels. With a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me, for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. As a reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Okay. Récompense, photo montrant une cachette secrète de pneus. Ah oui, c'est vrai que pour les derniers éléments de certaines catégories, il faut que je suive des indices pour les trouver. D'accord, ok. Traverser le désert blanc, ça va être compliqué. Enfin bref, nous, on va essayer d'aller se faire ce camp de Scrotus, histoire de voir si on peut tenir de 4 étoiles. Ça m'étonnerait, mais on peut toujours essayer. Du coup, il va falloir sortir. Je descends tout en bas. Ce qui est logique, évidemment, on peut pas descendre en haut. Alors, où est ma voiture? Tuture. Allez, ma titine. Je l'ai pas du tout upgradé. Du coup, je sens que ça va être n'importe quoi. Ah si, je sais ce qu'il faut que je fasse. On a plein de thunes. Ouais, 1600 et des patates. On va mettre le harpon de niveau 4. Comme ça, on a le super harpon. Bon, par contre, j'ai plus rien. Après, les autres améliorations du harpon, en fait, c'est des améliorations du câblage pour que ce soit plus dur. Je sais pas trop exactement à quoi ça sert. Ça coûte un peu moins cher, mais bon. Oula. Tant que ça mette en buffer. Alors, je voudrais récupérer des informations auprès du vagabond. See that, my strange murdling? The Scrotus swine herd can be reached both sides of the bridge. This camp is strategic for Scrotus, on account it's so close to Pink Eye Silo. Be sure to snuff the war cry first, though. Ok. Info supplémentaire. Requis historique au sud du camp. Entrée secrète à la base du pont. Info notée dans le journal. Ça veut dire quoi, entrée secrète à la base du pont? Il y a plein de snipers un peu partout. Faut que je fasse gaffe, on est sur la route. Hé hé, j'ai du super harpon normalement. Ah mais c'est du niveau 2 de protection et tout. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, ils se barrent? Tu fais quoi? Tu te barres aussi, ok. Bon, par contre, je me fais tirer dessus par des snipers. Du coup, voilà. Toi, déjà, tu te tais. Ensuite, il y a eux. Mauvaise idée, j'ai tiré sur le caillou. C'est vrai qu'il me reste des munitions, mais j'en ai pas des masses. Ok, plus d'aboyeurs. Maintenant, la question, c'est par où est-ce que je rentre? On va éliminer les snipers restants. Reflex, scope, long shot.
J'ai vraiment plus aucune balle. Alors, tu te lances-flammes, ça passe par là. Ok, il y a deux tubes lance-flammes. Par où est-ce que je peux passer? Par ici? J'ai vraiment plus de munitions de sniper, faudra vraiment que je fasse gaffe. Évidemment, il y a une tornade. Ça doit être par ici qu'elle m'avait dit. Ok, on va essayer par là. Je sens que ça va être chaud. Je sens que ça va être vraiment chaud. Ouais, ça me semble être par ici. Mais sauf que je fais comment pour y accéder à ça? Non, ça y est pas ça. Du coup, par où est-ce que c'est l'entrée? Je réfléchis en fait. Par où est-ce que... Il peut pas y avoir une entrée. Parce que là, du coup, j'ai l'impression que c'est la sortie plutôt. Il n'y a pas d'information en plus. Alors, non. Là, c'est encore les indications de la région. Donc, en fait, on n'est pas du tout encore dans le truc. L'entrée secrète est à la base du pont. Il n'y a pas de base du pont. Enfin, il y a la base des piles du pont. Mais là, il n'y a pas de place. Enfin, tu peux pas passer. Du coup, je pense que c'est plutôt par là. Mais c'est pas franchement une entrée secrète, du coup. Ok, je me suis fait voir. Wow. Alors, la question est, comment je fais pour détruire le... Il y a la réserve juste à côté. Le camp va passer en alerte rouge, du coup, voilà. Fait chier. J'ai pas envie d'essayer de passer, ça risque d'être un peu compliqué. Ah, mais en fait, ça passe bien. Tiens. Allez. Ok, donc là, il y a des jerrycans, donc ça sent les explosions nécessaires. On va utiliser les jerrycans pour faire péter des trucs parce que bon, les adversaires peuvent être facilement compliqués à abattre. Il y en a plein là. Vous la sentez la galère là? La grosse galère arrivée. Bon. Il y en a un aboyeur. Il est où? Il est là-bas au fond. Ah! Donc je le tue, vite. Voilà. Ça va pas être drôle. Ok, moins un déjà. Ah, j'ai un petit moment de lag. Pourquoi ça, je rame là un peu là. Lâche-moi. Oula, j'ai appuyé sur table. Ouf, c'est passé. 7 sur 23. Donc du coup, il en reste encore un petit paquet. C'est passé, c'était chaud. Une relique historique, c'est celle dont elle parlait. Oh, un chien. Je ne connais pas le nom du gosse. Un voisin l'a amené. Je voulais que tu vois comment Toby s'adapte bien à sa nouvelle maison. C'est un bon chien. With so many things we'll never see again. Trust. Trees, plenty of food, security. Joy.
Eh ben, c'est la joie pour Max. Alors. Si c'est cassé. C'est que j'ai vu qu'il y avait un emblème de Scrotus, mais il était pas de l'autre côté. Je sais plus où il était. En tout cas... Ah, de la bouffe. J'allais dire que j'avais vu de la bouffe quelque part. Bon, ça va pas rester full, mais au moins, c'est mieux que rien. Surtout que j'ai une arme, maintenant. D'accord. Et oh. Voilà. Ah, j'arrive plus à monter. La question est par où c'est. On peut monter par ici. Ferraille. Pourquoi je sens les ennemis dans pas loin là? Ah bah on les entend. Y'a pas un aboyeur? Aïe, oui. Ah! Vite que je le tue, lui. Il en reste un, là. Aïe. Putain, il m'a mis une baffe, quoi. C'est marrant, lui, il était pas dans le fight à la base. Parce qu'il y a le mouvement final avant de tuer. On peut descendre par là. J'imagine qu'on est au milieu du pont. Oh la vache. Ne pas tomber. C'est ça en fait. On est au milieu du pont et donc là on peut décrocher le... l'échelle. Partir d'ici. Alors. Ne pas crever, ça serait débile. Prendre le seringue, prendre les balles. Et on continue. On continue. La ferraille, il y a de la flotte, du coup, on va profiter pour... boire celle qu'on a ici. Ok. Ah, j'ai repris l'arme, ça sert à rien. Ok. C'est parti. Ouh. Il est toujours pas mort? J'ai pas compris, il a commencé à faire son exécution puis s'est arrêté au beau milieu. Aïe. Ah.
Allez, venez là. Ouf. C'est fini? Oh yeah. Et bim, démantelé. Ça, c'était cool. Bon, 53%, mais voilà quoi. C'était cool. C'était franchement cool. Parce que c'était pas un camp facile qui avait presque toute la jauge. Un petit camp 4 étoiles, là, ça fait du bien. Je regarde un peu ce qu'il y a derrière, quand même. Ah, et c'était peut-être ça quand il disait l'endroit spécial d'accès. Toc, tout fermé. C'était peut-être ça l'entrée secrète. Du coup, je suis passé par l'entrée pas secrète. Pas très grave. Donc, on peut se faire des camps 4 étoiles. C'est la grosse, grosse galère, mais ça passe. À peu près. D'ailleurs, je suis un petit peu out of ammunition, donc je pense qu'on va passer... On va passer à Jit. Faire le plein de mun. Allez hop, Jit. Se préparer un petit peu. Ça a plein de munitions, plein de gaz. Enfin, de gaz, de pétrole. Et je pense qu'on va essayer de faire la mission subsidiaire concernant les munitions, du coup. Voilà. Là on est bien, on va essayer du coup d'aller par là. Ok, j'y arrive, par contre c'est un peu la lune ici. Il y a des cailloux partout. D'ailleurs ça devait être en fait de l'ancien corail. This wasn't a battle. This was a slaughter. These roadkill cut to pieces. Et ben c'était pas la joie. On est dans une décharge, je vais prendre des pièces de ferraille quand même. Toc, décharge exploit à 100%. Ok, next. On va aller là-bas. Ça y est, on y arrive. Bon, j'ai un peu accroché quelques gens, mais c'est pas très grave. Oula. D'accord, j'y suis allé un peu fort peut-être. Ok. Oula. C'est bon. Alors vous non? Ah si, j'en ai assommé un là comme ça. Ah oui, il y a des bugs on dirait. Ok, ça c'est marqué, j'ai quand même récupéré un petit peu la ferraille hein. On va pas cracher dessus. Voilà, partout. Avec tout ce que j'ai détruit, c'est normal. Donc ensuite, il va falloir qu'on aille à un endroit où je suis pas encore allé. J'ai pas encore de point de déplacement rapide. Du coup, on va se méfier un peu. Surtout que là, on est dans des zones où, techniquement, je suis à peine au niveau, quoi. Alors. On va y aller. Ah oui, c'est loin. Ok, on y arrive. Donc, c'est des champs de soufre, tout simplement. C'est plein de champs de soufre partout. On va récupérer ce soufre. Rapido. Ça pue, le soufre. Hein. Honnêtement, pour être allé en Islande et avoir vu des champs comme ça, ça pue. Ok, mission terminée. Projet armurerie disponible, forteresse de Gudgash. On va vite rentrer et on va arrêter là l'épisode parce que mon chrono décolle un peu et je crois que j'ai plus beaucoup de place sur mon disque dur.
Du coup, voilà. On va éviter de faire exploser mon PC. Et on va arrêter là. On aura fait quand même pas mal de choses. On aura fait une mission secondaire et... et un camp de Gutgash. De Gutgash, non, de Scorbut. Du coup, c'est cool. On regardera quelle sera quelle est la mission prochaine, la mission secondaire prochaine. Je suppose que c'est la suite encore. Dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. À partager la vidéo, c'est le plus important. Et puis, quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Oui.